Le journal en français vous est présenté par Mahamat Issar Goukouni. Bienvenue à cette édition. Voici les titres de votre journal. Les enfants déplacés de la province du lac Tchad sont les couches les plus exposées de cette pandémie du Covid-19 qui ravage le monde entier. Vous allez suivre plus de détails dans ce journal. Difficulté d'accès à l'eau potable dans les camps des déplacés des Darkini. Ces camps est situé à 15 km à l'ouest des Bonnes. Il compte plus de 10 000 personnes. Vous allez suivre plus de détails dans ce journal. Les enfants déplacés de la province du lac Tchad sont les couches les plus exposées en cette pandémie du Covid-19 qui ravage le monde entier. Selon Idriss Alaramadi, expert en protection des enfants à Bagassoula, interrogé hier par la radio Ndarasson International, la situation sanitaire des populations devient de plus en plus inquiétante en raison de la position géographique du lac. Cette province qui, d'après lui, partage ses frontières avec les pays les plus touchés par la pandémie, notamment le Nigeria, le Niger et le Cameroun. Idriss Alaramadi nous parle de la situation des enfants déplacés face à la pandémie du Covid-19. Il est joint au téléphone par Moussa Mamasei. Où nous allons, je ne le souhaite pas, mais si seulement un cas se déclenche quelque part dans la province, c'est une vraie catastrophe. Bien que bon, jusqu'à là, il n'y a pas de certitude, mais vous savez, les enfants sont aussi exposés que les adultes.